idée, son hypothèse de travail va être de se dire que l'écriture égyptienne, c'est à la fois effectivement des sons, mais aussi des idées. Et il trouvera même par la suite qu'il y a des signes qui déterminent aussi des mots. Et c'est ce mélange de signes qui constitue cette écriture égyptienne. Cette collection d'antiquités égyptiennes, il a commencé grâce à ses contacts avec Jean-François Champollion. Champollion n'a eu de cesse toute sa vie de collectionner, de collationner de nombreux documents justement pour pouvoir arriver à ce déchiffrement. Et François Artaud a contribué effectivement à cette quête puisqu'il va fournir à Jean-François Champollion de nombreux documents écrits. On a vraiment une rencontre intellectuelle à ce moment-là qui se fait et cette amitié va durer pendant pratiquement 20 ans.